Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 juin. Et il est actuellement 10h moins de quart. Voilà, j'ai rien fait de particulier ce matin. J'ai juste mis là, il n'y a pas longtemps, une machine. J'ai rien fait. Là, je suis en train de prendre le petit déjeuner. Enfin, petit déjeuner. De reprendre le petit déjeuner avec Logan, puisque je me suis levée ce matin à 7h30. Mais il n'a pas voulu. Voilà, Logan, par terre. Il n'a pas voulu manger la galette. Non, pas les pieds sur la table. Il n'a pas voulu manger la galette ce matin. Et il a bu son biberon à 6h. Sortez les chiens, sortez. Sortez. Voilà. Parce qu'il est en train de nourrir plus les chiens que lui-même. Sortez. Mia, tu sors. Spikey, tu sors. Dépêche-toi. Allez. Voilà pourquoi. D'où l'utilité de la barrière. Donc du coup, ben voilà, ben, on déjeune à l'aise, hein, Logan. Tranquille, hein. Tranquille, hein. Ouais, donc je disais qu'on est... Ce matin, elle n'a pas voulu manger la galette. Donc là, j'ai supposé qu'il avait un petit creux parce qu'il rouspétait. Donc du coup, je viens de lui donner. Mais... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça, maman. Donne. Bon, par terre. Et moi, du coup, je me suis refait un petit café aussi. Vous voyez derrière moi qu'il y a toujours autant de linge. Je suis désespérée. Désespérée, j'arrive pas à bout. Dès que je suis pas là, dès que je lave pas, en fait, de 2 jours, je suis désespérée. Je suis en retard surtout. J'en ai plié 4 hier. Et là, il y en a une dans la sèche-linge, une dans la machine. Ah, Logan, non, je suis pas d'accord là. Non, je suis pas d'accord du tout. Hein. Bah, tu l'as plus, elle est tombée par terre. Et du coup, voilà. Bon, donc, je disais, j'ai déposé ce matin Carla au travail, ce matin à 9h. Et puis là, j'ai rien fait de particulier. Il faudrait que je fasse les vitres, mais qui aime nettoyer les vitres? Dites-moi. Je sais pas. Moi, j'avoue que c'est une corvée que je repousse tout le temps. Les vitres, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Alors, autant le ménage, ça me dérange pas, ni frotter, ni quoi que ce soit. Mais les vitres, hein. Bon, enfin, motivation. Aujourd'hui au programme, rien de particulier. Je voulais aller chez Ikea, mais je me tâte toujours si j'y vais ou si j'y vais pas. Je sais pas. J'ai la flemme d'aller dans le magasin. Donc je sais pas. Je vais voir. Je vais pas pouvoir aller ce week-end parce que Carla a horreur de Ikea, donc je vais pas demander d'aller avec moi. Et dimanche, je suis d'anniversaire. Je suis à l'anniversaire de mon neveu, les 20 ans de mon neveu. Donc du coup, je vais que avoir samedi. Puis en plus, Franck, il a que dimanche de repos. Ce qu'il devait avoir hier, mais il était en formation. D'accord. Il est en train de parler. Ouais, et puis? Oui, c'est le bébé, ça. Oui, c'est le bébé. Oui, c'est le bébé. Oui, c'est le bébé. C'est le bébé. Ouais, je vais te donner à boire. Bon, allez, je vais lui donner à boire. Je vais finir mon café. Thank you.
ménage fini en partie, on va dire. Il me reste encore une machine à plier. Ménage fini. Mais tout ce que j'ai rangé, il a ressorti. Mais c'est pas grave. Pour ce midi, ça sera le reste de gratin de pâte. Et il reste encore des steaks hachés. Donc je pense que je vais faire ça parce que je vous ai pas dit quelle heure il était. Il est midi moins 20. Jordan, il est debout. Il est allé prendre la douche. Et puis voilà, moi je ne me suis toujours pas maquillée, mais je pense que je ne me maquillerai pas. Oui, chérie. Logan aussi, je vais lui donner un steak haché pour midi. Et puis voilà, je pense que vers midi moins de quart, on va se mettre à table parce que Logan, il a un petit peu faim déjà, je le vois. Hop, je commence déjà à sortir. Oui, chérie. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Touche pas, oui, c'est le steak haché. Voilà, il reste un petit steak haché de hier. Et puis voilà. Après, Franck il rentrera. Non, 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 tu touches pas, ça c'est la floraline pour ce soir. Là, c'est ça. Sors. Il a des mains, c'est des grappins. Des grappins. Après, Franck il rentrera vers 1 h. Mais on l'attend pas, comme ça au moins Logan il a mangé et quand il arrive, je le mets au dodo. Voilà. Là, je vais l'appeler Mademoiselle Hibou, Marie, donc parce que je l'appelle Marie. Je me ventile. Et voilà, parce que j'avais envie de lui parler un petit peu. Donc on s'appelle de temps en temps. Bon, je ne l'ai pas retenu plus longtemps parce qu'elle a quand même les petits à faire à l'école à la maison. Moi, je n'ai pas l'école à la maison, donc déjà, j'ai moins de travail que elle. Et puis voilà. Bon allez, je prépare et je vous reprendrai après manger. Bon voilà, je vous reprends. Ben, il est presque 14 h. Logan est au dodo. Il est dodo depuis à peu près 1 h, 1 h 15. Franck est rentré aussi du travail. Il a mangé puis il est parti se reposer parce qu'il était crevé. Et moi, je viens de ranger un petit peu les jeux de Logan là. Je vais me poser 5 minutes. Ben, je suis posée 5 minutes sur le canapé. Je vais regarder un petit peu les 2-3 vlogs que j'ai à regarder. Et après, je pense que je vais faire des crêpes. Voilà le programme. Après, je dois aller récupérer ma fille à 4 h 30. Et on va directement aller avec elle chez McDo récupérer son solde de tout compte parce que je ne sais pas si je vous avais dit qu'elle travaillait le week-end chez McDo et vu que maintenant elle a trouvé un travail dans sa branche, donc dans la couture, elle a démissionné de McDo, donc elle doit aller récupérer son solde de tout compte et elle doit rendre aussi sa tenue vestimentaire. Voilà, donc hier je crois qu'elle a envoyé un message et ils lui ont dit de passer avant 18 h. Voilà. Alors, je sais pas, bon, on l'a bien fait d'appeler parce que je sais pas s'il fallait prendre rendez-vous pour pas qu'il y ait trop de monde dans le enfin, dans le resto ou quoi que ce soit. Bon, du coup, elle s'est débrouillée, elle a appelé. Elle s'est débrouillée, elle a appelé. Et puis voilà, comme ça c'est fait et on ira déposer, je pense, son chèque. Parce que là, pour le coup, d'habitude, ils y font un virement. Mais là, une sorte de tout compte, je pense qu'ils vont lui faire un chèque. Donc on ira, j'irai lui déposer le chèque, je pense, demain. Je me pose ma tête parce que d'être comme ça, j'ai mal à la nuque. Donc voilà, donc je pense faire ça. Si j'ai la journée encore de la flemme, ben, vous le saurez en fin de vlog. Voilà, bon allez, je m'active parce que je voudrais faire tout ça avant que Logan se réveille. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je vous reprends. Ben, il est 5 h moins le quart. Logan a dormi jusqu'à 4 h 30. Là, on vient de finir de prendre le goûter. Hop, il y a un petit truc sur la caméra. On vient de finir de prendre le goûter. Il a bien, bien, bien dormi. Il s'est couché à 1 h 15 à peu près. Il a dormi jusqu'à 4 h 30, pardon. Donc, c'est une bonne sieste. Une bonne sieste. Bon, du coup, ben, tout ce que je vous ai dit que je devais faire, j'ai pas fait. J'ai pas fait les crêpes parce que Doudou il dormait bien, Logan il dormait bien,
Les chiens, enfin Mia s'est mise à aboyer, donc du coup Logan s'est réveillé, donc il a fallu que je le reprenne, je l'ai rendormi avec moi sur le canapé. Et du coup, comme vous voyez, son lit était là, son lit de fortune. Du coup, je l'ai recouché là à côté de moi. Et bien entendu, j'avais tellement peur qu'il tombe du canapé que j'ai pas bougé. Voilà, mon après-midi, j'ai pas bougé du canapé. Je me suis mis un petit peu à côté de lui. J'ai été un petit peu sur les réseaux sociaux. Après, j'ai un peu bouquiné. J'étais en train de vous dire que je sais plus quoi, parce que c'est Carla qui est en train de rentrer. Enfin, qui est rentrée récupérer ses affaires de McDo, parce que cet après-midi, elle doit aller les ramener à son emploi, enfin, à l'employeur, enfin à McDo. Mais moi, je ne les ai pas trouvés dans son armoire. Donc, du coup, je me suis affolée en voyant son armoire. Donc, du coup, je pense que je vais me mettre à ranger son armoire parce que c'est le bazar, 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 bazar. Bon, je crois que c'est motivation, motivation.
il est 19h30, j'ai pas vu l'heure. Depuis 6 heures, à peu près 6 heures, j'ai attaqué la chambre de Carla et je viens juste de finir maintenant. J'ai même pas vu l'heure. Là, je vais vite aller prendre la douche à Logan. Et vite la prendre la douche à Logan et lui donner à manger parce que j'ai pas vu l'heure. Il y en avait vraiment, vraiment, vraiment besoin. On a fait un gros, 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 gros tri. Voilà, elle n'arrivait pas en fait. Carla, elle était submergée par tout ce rangement et tu vois, elle repoussait, repoussait, repoussait. Et elle a du mal en fait à virer des choses, à se séparer des choses. Donc, du coup, j'ai dit, je vais lui faire parce que c'est pas possible là. Là, je lui ai mis tous ces maquillages là, comme ça, au Logan, il a pu accès. Là je lui ai un petit peu fait le tri aussi, enfin voilà, je vous ai montré. Là aussi j'ai un petit peu rangé. Là j'ai levé toutes ces affaires scolaires, donc je lui ai mis ses pyjamas, enfin voilà. Donc c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair et elle s'y retrouvera mieux. Elle était choquée en fait du rendu. Voilà, elle m'a dit merci, merci, merci. Bon allez, maintenant j'arrête de vous parler et je vais vite activer parce qu'il va avoir trop faim. Voilà, je vous reprends, il est 11h moins de quart, je viens de finir de monter le vlog. Voilà, vlog assez sympa, un vlog de motivation aujourd'hui. Ça a été gros rangement en fait dans la chambre de Carla, gros rangement aujourd'hui, enfin bref, ça a été vraiment le vlog de la motivation. Là, je viens de finir de le monter. J'ai téléchargé des nouvelles musiques, donc du coup, vous aurez des nouvelles musiques. Et tout le monde est couché. Franck, il dort. Logan, il dort. Dylan, il est rentré du travail, mais il a pris la douche, il est reparti. Un courant d'air. Jordan est dans sa chambre. Ah, je vous ai pas dit pour Jordan hier. Alors, Jordan, hier, il est parti, donc je vous avais dit dans le vlog d'hier qu'il était allé manger dehors. Et finalement, il a été raisonnable, il n'est pas rentré tard. Je crois 1h moins de quart, il était là. Donc c'est assez raisonnable pour une des 18 ans de son collègue. Donc c'est assez raisonnable. Et j'étais réveillée. Mais j'étais dans mon lit, mais j'étais réveillée. Voilà, donc il a été raisonnable, donc je suis contente. Donc c'est parfait. Voilà. Je pense que je vais vous laisser ici comme ça, je vais directement clôturer avec le reste de cette conclusion. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, toujours pareil. Je répète toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Mais bon, voilà. C'est nécessaire. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye!